peu. Hein? Bonjour et bienvenue à Harmonica Vaudeville. On fait quelques tests pour régler le tout. Donc, donne-moi 2 minutes si tu vois ceci et ça va se placer. En attendant, un peu de musique. Bonjour et bienvenue à Harmonica Vaudeville. Comme je viens de te le dire, on est en train de faire quelques tests. Ça ne sera pas très long. Ton cours va commencer d'ici peu. Ok, ce ne sera pas très long. Oh, pas de tableau aujourd'hui. Ok, fait que là, vous êtes là. Bon, excusez-moi. Pas de tableau parce que tu vas comprendre d'ici quelques instants pourquoi. En attendant, aujourd'hui, bang, 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 ça sera pas long. Là, je te vois, là, je te vois pas, là, je me vois. Je te joue un peu de musique, je te reviens là-dessus. Là, je vois Christophe, Jeff, Sébastien, Eric, Kenny et Sébastien sont arrivés. Oh, deux Sébastien. Marc aussi. Salut Marc. Ce sera pas long, j'essaie une nouvelle approche. Bon, je m'en viens à vous voir. Oh, ça s'en vient, ce sera pas long, ce sera pas long. Oh, Max sur la route vient d'arriver. Deho, Chachi. Ok, comme tu vois, lire, jouer de la musique, gérer un ordinateur, c'est tout un défi. Donc, si je détruis ou magane ton prénom, essaye de pas m'en vouloir. C'est vraiment quelque chose qui va s'améliorer. Puis plus que tu vas venir dans les lives, plus que je vais travailler sur ton prénom. Comme ça, à la fin, je vais être capable de le chanter. Max dit que mon harmonica ressemble à une barre de chocolat. En fait, aujourd'hui, regarde bien ça. Premièrement, badabing, badabang, on va se faire un petit plan de cours. Et voilà! Au lieu de te faire un tableau qui, parfois, dû à ma calligraphie ou à l'éclairage, n'est pas clair, aujourd'hui, je te fais ça carrément dans l'écran. Donc, tu vas voir. Bienvenue, c'est ça que je suis en train de faire le temps qu'on règle tout ça. On va se faire le quiz avec le Harmonce numéro 6. On va se parler un peu de tes victoires, de tes défis. On va tester ton oreille. On va parler d'un album, évidemment, qu'est-ce que j'écoute. Spécialement cette semaine, je vais te parler de Ciné Harmonica, parce qu'il y a un film qui s'en vient par rapport à l'harmonica que j'apprécie beaucoup. Après, je vais te montrer comment improviser avec des mélodies. Et finalement, je réponds à tes questions. Donc, attends un peu, je te ramène pour être sûr de te lire. Pendant ce temps-là, oh, Jocelyn vient d'arriver. Je te joue un petit peu de musique. Puis souviens-toi, si tu veux être au courant de quand est-ce que je sors une vidéo, de quand j'ai des nouvelles choses, que je tombe en live, la seule chose simple que tu as à faire, c'est de... t'inscrire à mon canal et à ma chaîne et de cliquer sur la cloche. Ça va être super facile. Ok, je vais te préparer une dernière chose. Je te prépare des surprises aujourd'hui assez plaisantes. Patapping.
Patapang. Je vais ouvrir ça. Désolé, je disparais et je réapparais. OK. Donc, Patrick vient d'arriver, Jean-Marie et Dominique. Comme tu vois en ce moment, j'ai un harmonica qui a de la misère à rentrer tout dans l'écran. Je vais t'en reparler dans quelques instants, mais là, je te joue une pièce. 3 et 1. Dominique de bord dit, j'ai le son, mais pas l'image à bloc. Est-ce que les autres, l'image va bien? Oui. OK, il y en a un qui a l'image et le son. C'est revenu. Super. Donc, vous êtes là et je suis là. Oh, Nino arrive du travail. Oui, là, si ça va bien en France ou en Europe, vous avez avancé votre heure comme au Québec. Donc, on devrait être revenu à midi, heure du Québec, ou 18h, heure de France. Est-ce que je me trompe? Paulin vient d'arriver, Palmolive aussi. Pas possible pour moi de rester aujourd'hui. C'est pas grave, tu le regarderas en rediffusion. Il va y avoir des belles choses et des belles découvertes. Patrick demande un Piedmont Downer, c'est bon ou pas bon? Écoute, c'est pas un harmonica, je te dirais, professionnel que j'irais sur une scène avec. Mais pour pratiquer, pour apprendre un peu, c'est génial. De toute façon, je vais vous garder du temps à travers le cours pour des questions. Oh, Joe Marier dit que le son et l'image est bon. Donc, si votre son, votre image n'est pas idéal, c'est peut-être votre connexion. Paulin dit, j'ai commencé l'harmonica grâce à toi, je te remercie. Écoute, c'est, je te dirais, un tiers grâce à moi et deux tiers grâce à toi. Parce que tu es rendu avec un harmonica, tu as pratiqué un peu, tu as joué, tu es même rendu à suivre des cours en live. Donc, bravo et merci à toi aussi. Pourquoi je te joue ça? Hey, en passant, j'adore ça. Là, j'ai la France, j'ai la Belgique. Mettez votre pays. Je trouve ça super le fun. Et en même temps, peut-être si vous mettez votre ville, vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres participants dans votre région, dans votre quartier, dans votre ville, ce qui peut entraîner que vous vous organisiez pour jammer, juste parler, prendre une bière, aller voir un spectacle. C'est beaucoup plus motivant quand on a d'autres gens autour de nous dans notre entourage de musiciens et d'harmonicistes, parce que un guitariste ne veut rien savoir d'entendre parler d'overblow, de band, de tongue block, mais il y a quand même bien des choses que vous pouvez échanger avec d'autres musiciens.
Tac, tac, tac. Quelle gamme cette harmonica? Ok, je te parle de ça. Je vais juste me remettre en gros plan parce que le modèle l'exige. Ce super harmonica, ça m'a pris du temps à en trouver un qui était en forme. Là, il commence à être un petit peu faux à certains endroits, mais bon, on va reparler. Yeah! Dan Granby, mon pays. Ok. J'ai vraiment hâte qu'on jamme, Dan. Vraiment. Ok, cet instrument-là, en fait, c'est un harmonica trémolo. Et pour être encore plus clair, c'est quatre harmonicas trémolo. J'ai carrément quatre harmonicas collées ensemble. Le gros avantage, c'est que quand tu fais un spectacle, si tu as changé d'une pièce à l'autre de tonalité, cet instrument-là te permet de juste rester à ta place et de faire chloup, de faire chloup, ou de faire chloup, ou de faire chloup, et tu as quatre tonalités. Ici, j'ai la tonalité de ré. Ici, la tonalité de la. Ici, de sol. Non, de do. Et ici, de sol. Nouveau-Brunswick, Sherbrooke. Ah ouais, Patrick Sherbrooke. J'y étais il n'y a pas longtemps avec Pau. C'était très plaisant au carnaval d'hiver. Champagne, la. Bon, ok, c'est cool. Vous embarquez dans le trip. Ça va juste rendre le cours plus dynamique, plus organique, plus vrai. Donc, merci encore une fois. Comme je te dis, si tu remarques bien, il y a une petite barre floupe, dans le milieu pour séparer, attends un peu, oui, pour séparer les tonalités. Donc ici, 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 c'est do, ici c'est sol, ici c'est ré et ici c'est la. Ce qui fait qu'il est très cool, c'est que je peux vraiment jouer une pièce en ré, exemple. Et après ça, ensuite, je peux aller en la. Après ça, floup, je m'en vais en do. Oh mon Dieu, pauvre pointe au pic. Et après ça, en sol. La chose étant, par rapport à d'autres trémolos que j'utilise qui ont le tuning plus asiatique, qu'on va dire, celui-ci est tuné comme un harmonica diatonique. Donc, dans les graves, j'ai des accords, mais il me manque des notes. Et c'est pas un instrument qui se fait des bends ou des altérations facilement. Donc, des fois, il faut que je saute dans le registre aigu pour arriver à mes fins de jouer des mélodies. Ok, je vais revenir sur cet instrument-là dans quelques instants parce que ça fait partie de mon spécial d'aujourd'hui. Aujourd'hui, non, je te vends pas le punch tout de suite. On va aller checker vos affaires. Champagne, Namur, France, Vaucluse. Ah, je découvre des villes et des endroits, ça va être le fun. Saint-Jérôme, Normandie. Normandie, c'est quoi comme folklore? T'as reçu ton Young Bird? Oui, Jocelyn, j'ai reçu mon Young Bird. Si tu étais là la semaine passée, j'ai fait même le unboxing. J'ai commencé à l'explorer. Je veux l'ajuster avant de vraiment en reparler. De ça, mais tu vas voir qu'il va quand même s'insérer malgré tout dans le cours d'aujourd'hui. Ok. Premièrement, on va aller tout de suite avec le quiz. Donc, tu vois, aujourd'hui, j'ai exploré des matériaux de l'harmonica, mais avec les intérieurs de l'harmonica, ce qui veut dire le peigne avec les plaquettes d'anche. Ça va être très intéressant pour la question d'aujourd'hui. Premièrement, est-ce que tu aimes mes harmonces? Moi, j'ai beaucoup de plaisir et j'ai aucune prétention. C'est vraiment une manière de, m'améliorer à gérer tous les programmes photos qui me servent beaucoup pour la promotion d'événements, autant dans les soirées que je co-organise que dans les spectacles. C'est quelque chose qui vient de plus en plus pratique pour un musicien d'être capable d'être polyvalent. Par le fait de te faire des harmonces, ça m'aide énormément. Merci. Là, tu vois, dans le corps central de mon espèce de bébite fossile, il y a une longue queue, il y a une partie centrale qui est le corps. Et il y a la mâchoire inférieure qui est trois harmonicas de modèles différents qui sont ouverts. Fait que tu ne peux pas voir les couverts, donc ça va te faire un petit challenge. La question d'aujourd'hui, j'aimerais que tu me dises lequel est un harmonica diatonique, lequel est un harmonica chromatique et lequel est un harmonica trémolo. Est-ce que tu es capable, juste à l'œil, à regarder de même? Je sais que pour des habitués, il y en a que ça va être beaucoup facile et simple.
On va voir les trucs visuels, comment que tu fais pour décoder c'est un morceau d'harmonica de quel modèle. Attendez un peu, on me dit que ça serait bien que je monte le son un petit peu. Donc, je vais monter un petit peu ici. Voilà, si c'est trop fort, tu me le dis. Si je te fais mal aux oreilles, inquiète-toi pas, je vais réajuster. Île La Réunion. Ah, merci Sébastien. Je ne sais pas si je qualifie ça de d'œuvre. Ouais. Si toi, je vais te dire, tu es un musicien et un harmoniciste, moi, je peux bien faire des œuvres éphémères et en être très fier. Je les vendrai pas, je vais être franc avec toi. Mais j'aimerais beaucoup me faire un t-shirt un jour ou juste des affiches pour mon plaisir personnel. Bref, en regardant mon harmonce, est-ce que tu es capable facilement de me dire la queue c'est un harmonica, le corps c'est un harmonica, et la mâchoire inférieure c'est un harmonica. Les questions bonus, je vais te les poser un petit peu plus tard dans le cours. Pac, 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 pac. Oh yeah, le Maroc vient d'arriver. Oh, Dan commence. Oui, et dites-moi, pour identifier les harmonicas, Q pour la queue, C pour le corps et G pour la gueule de l'animal. Comme ça, je vais savoir exactement qu'est-ce que tu es en train de me pointer. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui arrive? Ah oui! J'ai une nouveauté cette semaine que je veux explorer avec toi. Pataping, patapang. Pac, pac, pac. Les victoires et les défis. Écoute, c'est quelque chose qui est important, je trouve, de se lancer des défis. Même si on n'arrive pas toujours à réussir nos défis, juste de l'action de se donner des défis et d'essayer d'y arriver, de travailler pour un but fait que tu vas augmenter ton niveau. Quand tu arrives, c'est vraiment le party parce que là, tu peux être fier, tu vas vivre des aventures ou des expériences que tu n'aurais peut-être même pas pensé te rendre à grâce à ton instrument ou peu importe. Mais en ce qui me concerne, j'aimerais savoir, c'est quoi tes victoires dernièrement, peut-être dans la dernière semaine, par rapport à l'harmonica? Est-ce que tu as réussi à faire une altération, ce qui est quelque chose de très dur pour plusieurs? Est-ce que tu commences puis tu as réussi à isoler un trou? Ça, c'est très cool. C'est vraiment, tu passes du niveau débutant à débutant avancé. Est-ce que tu as réussi à jouer avec quelqu'un? Et quand je dis réussi, c'est trouver quelqu'un et échanger des sonorités, même si ce n'était pas parfait. Même si le jam n'a pas été comme tu aurais voulu, ce qui arrive très rarement. Est-ce que tu as réussi à jouer avec quelqu'un? Déjà, ça, c'est une belle victoire. Et finalement, est-ce que tu as réussi à jouer devant des gens? Ça, c'est le défi que je te lance, que je te lance. Et que je vais te lancer beaucoup parce qu'il faut que tu partages ton trip, ta passion. C'est beaucoup inspirant de voir des gens qui ont des intérêts, qui travaillent sur quelque chose et de voir l'évolution dans le temps. Donc, OK, fait que là, les réponses pour mon harmonce rentrent. Les victoires, les défis, sans doute très à l'aise. Une chose que j'aimerais, si ce n'est pas aujourd'hui, prépare-toi-en un pour la semaine prochaine. J'aimerais vraiment savoir aussi, c'est quoi tes défis personnels? Ça va me donner une idée comment reformuler peut-être mes prochains lives. Si je vois qu'il y a plusieurs défis qui reviennent, c'est officiel que je vais faire un cours là-dessus ou essayer de te trouver des nouvelles idées, des exercices, ainsi de suite. Ah, tu vois, Romuald, il dit mon défi, c'est de réparer mon Marine Ben. C'est ton défi ou ta victoire? Parce que oui, réparer ton Marine Ben, ça va toujours être un gros défi. Ben, réparer n'importe quel harmonica ou les accorder. Il y a des gens qui spécialisent là-dedans. C'est sûr que si c'est un harmonica de valeur sentimentale ou de grande qualité, je te recommande peut-être de t'adresser à un spécialiste au début et d'échanger avec pour éventuellement arriver à le faire toi-même. Ne t'en fais pas. On va échanger, moi puis toi, puis je vais te donner des petits trucs petit à petit pour nettoyer ton harmonica, le vidéo, je sais que tu attends. Sinon, comment ajuster ton harmonica qui va devenir très important pour les altérations. Et après ça, accorder tout, qu'est-ce qui est embossing et pourquoi j'utilise de la cire d'abeille ou des codes-barres et tous ces petits secrets-là qu'on va partager petit à petit. OK, attends un peu. De Docno, victoire. Faire un premier duo d'impro avec mon beau-fils de 7 ans.
sur l'inspiration d'une vidéo que tu as proposé, postée sur YouTube. Yeah! Ça, c'est de la richesse, c'est de l'art en barre. Jouer de l'harmonica devant un enfant va lui donner le goût officiellement. Généralement, si tu prends un harmonica et que tu le donnes à un enfant, à 99% du temps, qu'est-ce que j'ai vu, c'est ça. Juste ça, il a associé harmonica à bonheur, à jeu, à découverte sonore. Fait que tu viens déjà de semer de quoi qui va grandir. Si tu as fait un jam avec, ça, c'est vraiment encore mieux. Bravo. Après ça, ensuite, première fois que j'arrive à attraper le live, dit Ben. Yeah! Ça aussi, c'est une belle chose. Écoute, j'essaie d'être le plus clair possible sur quand est-ce que ça se passe. Je fais un petit peu de promo sur Facebook aussi. Si jamais tu ne le savais pas, j'ai une page Harmonica Vaudeville sur Facebook. Je diffuse beaucoup des vidéos d'harmonicistes pour essayer de te faire faire une culture. Ensuite, qu'est-ce qui arrive? Je viens de penser qu'il ne faut pas que j'oublie mon cellulaire pour ne pas se faire déranger pendant notre cours. Donne-moi 30 secondes, s'il te plaît. Il faut que je simplifie mon code. Wow. OK, attends un peu, donne-moi 30 secondes. Flip, parfait. Donc, oui, arriver au live, c'est cool. Tierce vient d'arriver, attendez un peu. Oser jouer devant des gens alors que je suis débutant et me mettre à l'harmonica, tout simplement. Écoute, oser faire des photos avec des harmonicas sans être un photographe, sans être un créateur artistique, artiste visuel. Moi aussi, je trouve ça très, très challengeant. Il y a de quoi de le fun parce que je te montre un peu ma fragilité sans tomber dans le drama, du fait que c'est pas parfait, mais c'est pas grave. Même chose quand tu joues dans des gens, il n'y a pas de honte. Puis ça, rappelle-toi de cette phrase-là. Il n'y a pas de honte à être où que tu es rendu si tu en es conscient. Ce qui veut dire, si tu dis aux gens, hey, je suis débutant et j'ai besoin, et ça, c'est une superbe manière d'arriver à jouer devant les gens. Je suis débutant. J'aimerais ça de jouer une toune pour me challenger, pour me donner un défi. Ça me stresse, donc, de grâce, ne me juge pas, mais si tu me rendrais service, si tu m'écouterais pendant 2 minutes. Juste le terme de dire tu me rendrais service pour les gens, ça va leur faire plaisir de te rendre service, de t'écouter. En majorité, les deux, trois personnes qui disent non, c'est pas grave, c'est peut-être une bonne chose. Mais fait que ça va te permettre de jouer dans les gens et les gens, ils vont être heureux de te voir jouer, puis de voir un peu ta personnalité. Tu peux pas faire semblant d'être meilleur que t'es quand tu joues. Tu peux avoir de l'attitude, puis dire ouais, je suis bon, celui-ci. Une fois que tu joues, c'est le toi pur qui sort de ton instrument, puis ça, c'est quelque chose que je trouve très admirable de partager. Sinon, attends un peu. Tac, tac, tac. Dan, mon prochain défi serait de jouer avec un orchestre de chambre avec le solo blues en même temps que le violon celtique sur Amazing Grace. Ça serait malade. Là, Dan, si tu fais ça, tu amènes ton orchestre de chambre à Montréal et tu viens jouer dans l'open mic d'Harmonica Capella. Ça serait vraiment, un, inspirant, deux, génial, on se verrait. Je te paye une bière, sincèrement. Mais ça serait surtout une superbe manière de partager d'autres possibilités avec l'harmonica. On en reparle. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mon défi, faire un jingle ou générique de 7 secondes pour un copain. Yeah! OK, c'est ça. Après, tu vas voir une fois que tu commences à jouer de la musique et en parler. Hein, c'est super important de dire aux gens, ouais. Je joue de l'harmonica, ou ah, hier je pratiquais de l'harmonica. Tu peux dire, toi, t'aimes-tu ça l'harmonica, j'en joue un peu. Plus que tu en parles, plus tu vas découvrir des gens autour de toi qui jouent de la musique et qui cherchent des musiciens pour des projets amateurs professionnels. Et ça va te permettre de beaucoup monter ton niveau. Sinon, premier 12 bars blues pour moi, premier jam, Romuald dit premier jam 12 bars. C'est cool, ça tu vas voir, c'est ton premier, mais c'est pas ton dernier. Parce qu'une fois que tu rentres là-dedans, c'est vraiment quelque chose que tu veux refaire encore et encore. Défi, jouer une mélodie pour Catherine. Écoute, prends-en une simple au début. Même si c'est Frère Jacques, il n'y a aucun problème. Un, ça va te servir beaucoup plus que beaucoup de mélodies que tu vas jouer une fois de temps en temps. Deux, l'idée c'est d'arriver à être à l'aise, de t'amuser et surtout de commencer à isoler tes trous, de mettre des effets et ainsi de suite. Ensuite, Eric, Victor a réussi à apprivoiser le trois trous
Les trois derniers trous, donc les trous aigus. Oui, je suis sûr que c'est un défi que plusieurs vous vivez. Les trous aigus sont toujours un petit peu incertains au début, c'est aigu, on ne sait pas comment gérer ça. Donne-toi une chance petit à petit. Je vais te montrer des trucs. Il y a un cours qui s'en vient éventuellement qui va te permettre d'apprendre à jouer une mélodie dans les trois premiers trous. Après ça, la jouer dans les trous 4, 5, 6. Et après ça, de la jouer dans les trous 7, 8, 9. Fait que ça va te permettre, avec une mélodie simple, de pratiquer les différents registres de ton harmonica. Attends là, un peu après ça, j'en fais un peu, puis on va continuer dans. On est rendu à. Ah oui, entraîner ton oreille. OK, donne-moi 30 secondes. Le bend. Ouais, OK, le bend. Mon prochain défi, arriver à jouer du chromatique en utilisant le bouton. Patrice Rayon. Oui, écoute, c'est quelque chose, l'harmonica chromatique, quand tu commences à jouer, à utiliser ou profiter de la possibilité du bouton. Tu peux vraiment jouer plein de mélodies sans jamais, avec un chromatique, sans jamais avoir à appuyer là-dessus. Et ainsi de suite, mais le bouton va vraiment te donner des mélodies ou des notes possibles que tu vas avoir difficilement accès au début sur un diatonique. Ok, ça passe donc bien vite. Je suis. Ok, mon défi. Ok, je peux pas tout le répondre. On va avancer dans le cours et j'essaierai de revenir sur vos différents défis. Sinon, ça va être la semaine prochaine parce que je veux vraiment te parler de plusieurs choses aujourd'hui. On passe maintenant à développer ton oreille. Là, on va faire de quoi très cool. T'as un peu, badabing, badabang. Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour développer ton oreille? Je vais juste t'entraîner à différencier la sonorité d'un harmonica diatonique, de celui d'un harmonica chromatique et finalement de celui d'un harmonica trémolo. Donc, je vais le jouer 5 fois. Des mélodies, des improvisations, peu importe. Et il faut que tu me dises si c'est diatonique, trémolo ou chromatique. Chose à noter, un harmonica trémolo est diatonique, mais il y a une sonorité beaucoup plus d'accordéon. Je te fais un petit exemple. Et pour toi, ça va être quand même un avantage, c'est que quand je joue du trémolo, je fais beaucoup de jeux de langue, du tongue block, parce que c'est une approche personnelle, une esthétique sonore que j'apprécie beaucoup pour cet instrument-là. Après, le diatonique, lui, qu'est-ce qui est cool, c'est que tu peux faire des altérations facilement qui sont très typiques au diatonique. Tu as des accords que tu n'auras pas sur mon chromatique et mon trémolo. Et en plus, tu as des possibilités de bend. Tu peux faire des bends sur un chromatique, mais tu ne pourras pas aller aussi grave sur certains trous que sur le diatonique. Exemple. Tu as les overblows qui sonnent très stridents au début, fait que ça se repère bien. Bref, le diatonique et le chromatique, lui, il y a quelque chose de très fun dû aux valves. On va en reparler dans le cours. Mécanisme à l'intérieur. Ça donne une sonorité un petit peu plus Et un son de. Moi, je trouve souvent que c'est un phrasé de clarinette. La sonorité. Oui, Kenny, je comprends ce que tu veux dire. La sonorité du chromatique auto est beaucoup connue due à. Et aux trilles. La fameuse trille sur le chromatique, au lieu de faire sur deux trous, tu peux rester sur le même trou et juste exploiter le bouton. Et ainsi de suite. Donc, on commence. Le bend sur le chromatique, je crois que ça le dérègle si tu vas trop loin. Oui, écoute, je vais être franc avec toi, Patrice. C'est des choses que j'explore. Le chromatique est un instrument comme un. Pour moi, c'est comme un cheval sauvage. J'ai pas passé assez de temps avec pour vraiment dire que
le maîtrise, mais c'est un ami que j'aime bien voir une fois de temps en temps. On fait une balade, des fois il me permet d'être dessus, des fois je suis juste à côté puis je marche avec. Mais ça a beaucoup d'intérêt sonore, même sans faire de benne. C'est pas nécessaire ou vital. En fait, même si c'est un diatonique, c'est pas nécessaire ou vital de faire des bends, mais c'est mauditement le fun. OK! Non, Marc, mon chromatique, vite fait de même, c'est un Sirius de Suzuki. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai un Grégoire Marais autour qui est assez cool. J'ai des Chromanka de Owner, mais celui-là, c'en est un que je me garde pour le studio en général parce qu'il répond bien, les valves sont en bonne santé et tout et tout. Bref, on commence tout de suite. Préparez-vous. Est-ce que, puis pour pas que tu vois l'instrument parce que ça serait vraiment trop facile, je vais tout simplement jouer en arrière de mon logo ici. Donc, tu ne pourras pas voir l'instrument, mais tu pourras l'écouter. Attention! Question numéro 1. Fait que là, tu m'écris un petit trait d'union, puis tu me dis diatonique, chromatique ou trémolo. Prêt ou prêt, c'est parti. Ça te donne-tu une idée? Oui. En ce moment, je t'improvise. Des fois, c'est beau, des fois, c'est bizarre, et j'adore ça. C'est vraiment moi qui joue, c'est que je me cache parce que je veux pas que tu vois l'instrument. C'était la question numéro 1. Il y en a qui me disent belle épaule. En fait, qu'est-ce que tu vois pas parce que malheureusement, j'arrive pas à tout cadrer, c'est que mon superbe t-shirt, tiens-toi bien, et spécialement à toi, Patrice. Prépare-toi, j'ai pensé à toi. Tweet-tweet-tweet-tweet. Festival Mémoire et Racines, édition de l'année passée, spécial Harmonica, c'était fou raide. Ça fait quelques années que je suis bénévole pour ce festival-là, ce qui veut dire que je m'amuse à présenter les artistes. Je vais dans un jam, je vais danser de la musique traditionnelle et c'est vraiment un festival à découvrir si tu es au Québec ou si tu passes, comme mon ami Patrice qui va venir triper cet été au festival avec moi. OK, on est rendu à la question numéro 2. Est-ce que c'est un harmonica diatonique, chromatique ou trémolo? Fait que tu écris un 2, un petit trait d'union et tu me dis l'harmonica que tu penses. Monsieur Paul Lassé vient d'être là. Salut Paul, hey, merci infiniment. Je tiens à le dire vraiment, à chaque fois que j'ai eu des questions par rapport à YouTube, Internet et que je me suis adressé à toi, tu as toujours été une personne de grande aide. Même quand je voulais rejoindre Raymond Brodure, tu m'as permis d'y arriver facilement. Donc, je t'en dois au moins 2 ou même 3. Donc, diatonique, chromatique ou trémolo?
C'était la question numéro 2. Je trouve ça super le fun parce que plus que j'avance dans les lives, plus que vos commentaires viennent vivants et organiques, autant que vous me parlez, autant que vous parlez entre vous, je vois qu'il y en a beaucoup qui connaissent Paul et c'est très normal. Si tu ne le connais pas, de grâce, mets-toi à jour parce que c'est une personne qui travaille depuis des années avec acharnement pour faire découvrir l'harmonica, pour partager des techniques, beaucoup de pièces, il y a beaucoup de matériel ou de matériaux. Matériaux, je crois. Je tiens à le dire, en tant que professeur, on n'est pas dans le monde de la compétition et je trouve ça tellement sain et génial. Des fois, en tant que musicien, ça peut arriver qu'il y a une personne qui va être la personne ou la référence et c'est correct aussi, je respecte ça. Par contre, en enseignement, je trouve ça vraiment sain qu'on travaille pour toi. On travaille pour te donner le goût, pour te faire évoluer. Paul a une approche et il y a beaucoup de choses que je ne fais pas. J'essaye d'amener des choses de ma personnalité, ce qui fait que tu as avantage à aller chercher le plus de matériel possible parce que c'est vraiment de l'or en barre. On passe à la question numéro 3. Est-ce que c'est un diatonique, un chromatique ou un trémolo? Très cool, vous avez des oreilles de feu. C'est très très le fun. À date, c'est pas pire. Je suis assez content parce que je me tape un rhume depuis 3 jours. J'avais une voix qui est descendue d'une octave comme ça. Et pourtant, aujourd'hui, on dirait que ma gorge s'est rétablie. Peut-être parce que je bois de l'eau citronnée et menthée depuis 5 jours avec du gingembre. Mais bref, tout ça pour te dire, c'est le fun d'être en santé. OK! Maintenant. Non, Paul, il perturbe rien, c'est vraiment le fun. Moi, du monde qui donne de l'amour, je trouve ça remarquable. On s'en va à la question numéro 4. Diatonique, chromatique ou trémolo, peux-tu faire la différence? Eric, fais attention, n'oublie pas d'écrire le chiffre à la question pour être sûr que je comprenne. On est rendu à la question numéro 4.
Petit indice, pour cet exemple, je prends un thème de ma pièce, ma composition qui s'appelle Benjamin Monkey, que je joue avec André Dano dans le duo PO, P-O accent circonflexe H. Tu peux voir notre page Facebook et on fait un show très bientôt dans la soirée La Beautrade, donc je suis très heureux de la chose. Diatonique, chromatique ou trémolo? C'était la question numéro 4. Maintenant, on finit avec la question numéro 5. Est-ce que c'est un diatonique, un chromatique ou un trémolo? Pose une colle en ce moment et c'est très drôle. Que de plaisir, c'est tellement le fun. Tout à l'heure, j'ai glissé la mélodie d'Amazing Grace et Dan me demandait est-ce que tu me fais un clin d'œil. Écoute, oui, je suis beaucoup dans l'improvisation, tu vas voir, autant dans mes cours que dans mon jeu sur la scène. J'adore improviser, j'adore la spontanéité. Toutes mes improvisations sont toujours... Ben, mes improvisations, je le dis. Toutes mes quiz sont de l'improvisation. Je m'amuse aussi à m'améliorer, à sortir des mélodies comme ça sur le fly, juste pour me challenger. C'est mon défi, finalement. OK. Yeah, je savais que je vous poignerais. Donc, prêt ou prêt pour les réponses? La première fois, j'ai commencé... avec mon trémolo. Ce qui fait que tu le reconnais facilement du... Quand on dit trémolo, c'est que chaque trou n'est pas poussé et tiré. Tu peux pas pousser et inspirer dans le même trou. Tu pousses dans un trou et tu tires le trou d'à côté.
Pourquoi? C'est que dans chaque trou, il y a deux anges qui sont un peu désaccordés, ce qui donne un petit trémolo naturel. C'est pas moi qui fais du trémolo de. C'est vraiment. Tu sens le trémolo, donc. Donc, le trémolo était la question numéro 1. La question numéro 2, tu l'as assez bien entendu, c'était mon Sirius de Suzuki, l'harmonica chromatique dû au fait de la clé. Puis regarde, quand je bend en aspirant, tu vas entendre un qui est beaucoup typique au chromatique. Versus un diatonique. Tu vois, il n'y a pas le même son. C'est pas le même feeling quand tu fais une altération sur le chromatique, mais c'est très plaisant aussi. Donc, deuxième question, c'était le chromatique. Troisième, je me suis dit, je vais te faire une petite surprise. J'ai ramené tout simplement le trémolo encore une fois. Et je me suis amusé à improviser. En général, tu l'as bien eu. Le quatrième, écoute, je pense que tout le monde l'a eu ou presque. C'était mon diatonique dû au bend, ça se reconnaît bien. Et les overblows, les bends et tout ça. La question numéro 5. Oui, c'est ça, les battements de la fréquence. Merci, Patrice. Des fois, c'est bon de reformuler. T'entends des battements un peu, qu'est-ce qu'on veut dire par trémolo? La cinquième, écoute, je t'ai bien eu, c'était tout le long un diatonique purement et simplement. J'ai pas utilisé de trémolo, j'ai pas utilisé de chromatique. Pourquoi je t'ai mélangé? C'est que j'ai volontairement évité tout ce qui était bend overblow et j'ai joué en tongue block parce que la technique tongue block que je fais sur le trémolo s'applique super bien sur le diatonique. Il va juste manquer parfois des notes d'un grave, mais ça, on en parlera. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est ça. Et là, petit à petit, je me suis amusé à titiller ton oreille avec des passes un peu plus typiquement diatoniques. Donc, ça donne une idée, c'est déjà très cool. Attends un peu, je vais me ramener au complet. Je suis tanné d'avoir une grosse tête. Attention. Puis, rappelle-toi, si tu viens d'arriver, tu vas être au courant de quand est-ce que je sors des vidéos, quand je suis en live, quand il y a des nouveautés sur la chaîne Harmonica Woodville. Tu cliques sur la cloche, tu fais qu'est-ce que tu as à faire et ça va être génial. Maintenant, OK. Là, je vais avoir besoin un petit peu de technique. Pour qu'est-ce que j'écoute cette semaine? Comme tu le sais, à chaque semaine, j'essaye de te faire découvrir un nouvel album. J'essaye de te faire découvrir un nouvel harmoniciste. Cette semaine, c'est assez particulier et j'en suis fier parce que je vais te parler tout simplement de Schnock et Chanty. Pourquoi je te parle d'eux, c'est que c'est des amis à moi. C'est un duo que j'adore. Ils font de la musique un peu. Inspiration Gypsy, Europe de l'Est, en même temps ils mettent du blues. Chanty, Chantal joue de l'accordéon et Schnock, Papy joue de la guitare. Les deux chantent. Sur l'album, ils ont beaucoup d'invités. Fait que ça fait vraiment quelque chose de très orchestral. Au dernier Harmonica a Cappella, sont venus en trio avec l'incroyable harmoniciste Cédric Oudayé. C'est une personne que j'apprécie beaucoup pour sa personnalité, le côté humain, le côté drôle. Si tu passes 5 minutes avec lui, c'est sûr que tu vas rire. C'est inévitable, ce gars-là, et il a un rire communicatif. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui a étudié avec le même professeur que moi au Cégep de Drummond. Sylvain Rodrigue. Fait qu'on s'est côtoyé par ça au début, par le monde de l'harmonica.
Il a eu différents projets. Maintenant, il est rendu pilote d'avion. Donc, on le voit de moins en moins à Montréal, qui est beaucoup plus dans les airs. Fait que peut-être que tu l'as déjà vu passer et tu ne le savais pas. Bref, tout ça pour dire que sur l'album, il y a une pièce typique que je vais te faire écouter à ce moment. Et en plus, c'est que je l'ai mis, parce que je l'ai filmé au dernier Harmonica Capella, je l'ai mis sur la chaîne YouTube Harmonica espace A espace Capella avec 2 P2L. Je vais te mettre le lien en haut et aussi dans la description, comme ça tu vas pouvoir aller le voir. Prépare-toi, je vais essayer de t'en faire écouter un petit extrait à l'instant. C'est la passe où l'harmonica commence son solo. Si ça marche. Est-ce que tu entends bien? Monte le son pour être sûr. Oui, Kenny, promis. Si je passe à Bruxelles, on se fait un jam. Cette pièce-là en particulier, c'est vraiment une toune mi-chemin bebop blues. Jeu de main! OK! C'est tellement bon! 1, 2, 3, 4. Écoute le jeu de main. Bon! Parfait! C'était mon côté. Désolé, gestion technologique. Donc, je te conseille fortement d'aller voir la vidéo. Tu vas voir que c'est des musiciens incroyables. Le solo de guitare est génial. Et en plus, le solo d'accordéon aussi est très cool. Mais Papy chante dans la pièce. Donc, tu vas vraiment entendre sa voix, l'accent québécois que je sais que tu apprécies ou que j'espère fortement. Oh, OK. Fait que là, tu vois Kenny, il y a Victor qui dit qu'il s'en va à Liège de temps en temps chez un ami. C'est ça que j'essaye de faire. C'est de vous relier plus que vous allez vous rassembler, plus que vous allez jouer ensemble, plus que vous allez voir des spectacles, plus qu'il y a des harmonicistes qui vont se déplacer pour faire des spectacles. Et c'est quelque chose qui va tourner, plus que tu vas avoir des stages peut-être dans ta région. Donc, gênez-vous pas à spécifier de où vous êtes et quand vous voyez qu'il y a quelqu'un de proche. Ou qui est dans une ville que tu vas visiter, écrivez-vous, échangez un peu, je suis sûr que ça va donner des résultats incroyables. Si un jour, tu m'envoies une vidéo de 2 personnes qui viennent de se rencontrer grâce à tout ça, ça va être vraiment une grosse victoire pour moi. OK, là, pourquoi je t'ai sorti mon harmonica trémolo énormément long? Il y a une raison très particulière. Pourquoi cet instrument-là est... La raison, la voici, roulement de tambour. Zut, ma petite bébelle n'est pas proche. Écoute ça. Ah, oh. Non, c'est pas ça. OK. Roulement de tambour. Drrr, bang! Twiddy! OK. Qu'est-ce que tu vois en ce moment? C'est mon harmonica, évidemment. Et à ma gauche, l'harmonica de la Bolduc. On va se le dire. La Bolduc était son nom. C'était pas son nom favori. Son vrai nom, c'est Mary Travers, avec un accent affreux, Benjamin. Et pourquoi elle s'appelle la Bolduc? C'est dans l'époque où les femmes prenaient le nom de leur mari, mais obligatoirement. J'ai aucun problème que tu t'appelles monsieur, madame un tel. Sauf que dans ce temps-là, il n'y avait pas d'option autre. Et je sais qu'elle n'appréciait pas vraiment se faire appeler la Bolduc. Donc, je vais te le dire, le film de Mary Travers sort ce printemps. C'est une femme très, très, très admirable qui a fait beaucoup au Québec, autant dans la musique que dans le chant, beaucoup. C'est une femme qui pratiquait la turlute, stop. La turlute étant un peu l'équivalent du scat ou du slam jusqu'à un certain point au Québec, ce qui veut dire faire des onomatopées avec sa bouche.
Le film sort, fait que je ne vais pas te faire un historique de Marie Traverse, je ne vais pas te faire des dates, rien, je vais juste t'encourager à trouver un moyen de voir ce film-là. Je l'apprécie particulièrement parce qu'il y a beaucoup de gens que je connais, de musiciens que je vois à travers justement Mémoire et Racine. Je sais qu'il y a André Brunet, il y a Pierre-Luc Dupuis qui joue l'harmonica dans le film et sur la trame sonore qui va être quelque chose qu'on va reparler. Il y a Jacques Landry, mon maître spirituel des eaux, qui est là-dedans. Fait que tu vas voir le gars qui m'a appris beaucoup. Quand tu vas voir un monsieur barbu avec des eaux, c'est lui qui m'a montré beaucoup de choses que je sais ou que je connais par rapport aux eaux. Voilà, ça sort dans pas long. Je voulais juste comme le spécifier pour comme te préparer tout simplement à commencer à faire des recherches. Si tu es au Québec, ça va être dans les cinémas, c'est officiel. Sinon, malheureusement, j'ai aucune idée comment tu peux le voir. De grâce, pirate-les pas. C'est vraiment une production québécoise, c'est des choses qu'il faut encourager. Donc, s'il te plaît, trouve un moyen de voir. Si c'est impossible pour toi, écoute, fais qu'est-ce qu'il y a à faire, mais regarde le film. Là, je vais prendre un petit peu de temps pour des questions, parce que ça fait un bout que je parle, et ça va me donner une petite pause. Mais rappelle-toi, dans ce pièce-là, dans ce film-là, il y a plein de musique québécoise que tu vas découvrir. Elle joue beaucoup sur le trémolo, elle joue aussi sur le diatonique. Je pense qu'elle joue un peu de violon. Et en plus, qu'est-ce qui est très remarquable de cette femme, c'est que c'était elle la personne lead du groupe. C'est elle qui engageait ses musiciens. C'est elle qui remerciait ses musiciens et les renvoyait si ça ne marchait pas. C'est elle qui payait les musiciens. Donc, je trouve que, surtout à cette époque-là, c'est une femme qui en avait dedans, comme on dit ici. OK, on passe à tes questions. Oui, Patrice, ben, je sais que toi aussi, Patrice Rayon est une personne que j'ai découvert à Paris. V'là un certain temps, et que je vois, il travaille beaucoup justement pour tout ce qui est les stages, les réseautages, échanges entre enseignants, échanges entre harmonicistes. Il y a Paul aussi qui a fait un genre de carte pour les profs, les enseignants d'harmonica en Europe et dans les environs. Donc, si tu cherches un professeur, ça peut peut-être être, en vrai, ça peut être une bonne option aussi de t'adresser à lui. OK, question. Ouais, salutations. Oh, Oner vient d'arriver. L'actrice est passée, tout le monde en parle cette semaine. Ah, cool, tu vois, j'ai même pas pogné ça. Merci Marc. Je vais essayer de voir ça. Oups, 1 heure de retard, Gibrosso. C'est pas grave. On peut se commander le DVD. Oui. En même temps, je commence à avoir peur parce que déjà que les albums, les CD sont une denrée rare. Qui se lisent de moins en moins, c'est un Mac, il n'y a même plus de fente. De plus en plus, les CD, les DVD vont venir désuets, mais c'est sûr qu'il va y avoir une manière de le downloader, de l'acheter en download ou quelque chose. Bref, si je vois comment le procurer, je vais t'en parler de toute façon. Connais-tu, il y a Jeff Petit qui demande, connais-tu les Lucky 13? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ça c'est comme délicat, je te dirais. J'ai pas eu une bonne expérience et c'est pas nécessairement le modèle, c'est pas la compagnie. C'est que des fois, quand tu joues des morceaux en spectacle, tu vas faire des gaffes, tu vas t'en échapper et c'est humain. Moi, le modèle que j'ai reçu, malheureusement, il a été échappé. Je t'en reparlerai, mais c'était un petit peu absurde. Un, il y avait une note de vraiment désaccordée, fait qu'il a fallu que je le raccorde. Déjà là, ça n'a pas gagné dans mon cœur. Deuxièmement, le logo, et ça c'était très drôle, était à l'envers. Fait que, tu sais, tu t'achètes un instrument, mais là imagine que Suzuki était renversé, ben le e-stop était à l'envers. C'est pas grave pour le jeu, mais imagine que tu t'achètes une BMW et que le logo de ton capot est renversé, tu vas peut-être trouver ça un peu moyen. Et je trouvais que la finition des couverts, il y avait des bulles d'air. Fait que ça a été. Une fois accordé, par contre, je te rassure, il va très bien. Les overblows sortaient assez facilement, sans ajustement. L'idée est incroyable parce que tu as vraiment des graves très efficaces pour accompagner un 12-bar blues. Par contre, voilà, c'est ça. Je ne sais pas à quel point il va rester juste. Je sens que ça a comme peut-être rebougé encore, mais j'ai le feeling que j'ai pogné un citron, malheureusement. Par contre, qu'est-ce qui est le fun, c'est que j'ai essayé un trémolo de e-stop qui va très bien.
et la petite cordette pocket cord que j'ai déjà vu parler dans d'autres vidéos. Et je pense une des cordettes que je trouve le plus accessible pour quelqu'un qui veut commencer sans dépenser le mille quelques euros, dollars. Tu peux commencer avec une affaire à peu près l'équivalent d'un prix d'un diatonique, donc c'est bien. OK, c'était pour le Lucky 13. Après, régler, préparer un harmonica, apprendre à bricoler. Où commencer? Doc No demande. Écoute, c'est quelque chose. Dans l'idéal, tu t'assis avec quelqu'un qui sait faire ça et qui te transmet ça. Ça va être la meilleure manière. L'option 2, c'est effectivement de regarder des vidéos. Parfois, qu'est-ce que je dirais, c'est que les vidéos que je vois sur Internet sont un petit peu avancées. Fait que si tu commences, ça risque d'être un peu flou. Dès qu'on parle d'embossing, tu vas perdre l'idée. Juste des fois, ajuster en poussant sur les hanches pour qu'est-ce qu'on appelle le gapping va être bien. Pour le moment, tu peux faire des recherches. Je te dirais qu'on va en parler. Je vais faire des choses plus claires, plus visuelles parce que on est dans le micro. Mais pour le moment, regarde des vidéos au hasard. Tu n'es pas obligé d'ouvrir ton harmonica, mais juste d'être à l'aise au terme gapping, embossing, qui est des termes anglophones, je le sais, mais qui reviennent souvent. Ça va venir petit à petit. Patrice Raison. Paul a fait deux cartes prof et amateur. Ah, bon, tu vois, fait que quand on parlait de cartes pour les profs et les amateurs, Paul a fait encore plus de jobs que je pensais. Génial. Dan demande, oui, Lucky 13, ça vaut le coup. Écoute, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des Lucky 13 et qui sont satisfaits? C'est quelque chose que je vois passer des fois sur des forums ou des groupes d'harmonica. Il y en a qui sont vraiment flabbergastés, si je m'exprime ainsi, qui sont surpris de la qualité. Il y a une projection assez impressionnante. S'il y aurait sorti accordé, j'aurais joué là-dessus, il y aurait eu beaucoup de plus. Du fait que, puis j'ai des amis qui en ont eu qui étaient en bonne forme. Donc, gênez-vous pas pour écrire qu'est-ce que vous pensez des Lucky 13. Personnellement, je te dirais, il faudrait que j'en essaye un qui est en forme, qui est bien constitué, qui n'a pas de bug, et je pourrais mieux m'exprimer. L'idée est bonne. La sonorité est très cool. Il est déjà un peu ajusté, fait que c'est assez cool. Le prix est assez impressionnant pour l'instrument que tu as. Après, je sais pas, là, je pourrais pas me prononcer là-dessus, Dan, parce que oui, c'est Brandon Power qui a designé le modèle. Tu vois, c'est quelqu'un de très créatif qui a fait beaucoup de choses. Personnellement, pour le moment, je te dirais, mon Lucky 13, je le prends sur moi, c'est des hasards de la vie, ça arrive, des citrons. Mais j'ai des gens qui sont très satisfaits. Donc, comme je te dis, je suis un petit peu ambigu. Je vais vous laisser un peu écrire des commentaires. Qu'est-ce que tu en penses des Lucky 13? Ça va peut-être faire sur une moyenne quelque chose de plus clair. OK, après ça, tierce, Benjamin, comment ça fait qu'au 21e siècle, les harmonicistes ne soient pas mis d'accord pour une notation harmonisée des tablatures? Certains mettent les notes à respirer en haut, d'autres en bas. Oui! Tu touches un côté épineux, je te dirais, tierce. Parce que la raison pourquoi que moi, personnellement, j'utilise des flèches, la première raison, c'est simplement parce que ça a été la première manière qu'on m'a montré à lire des tablatures d'harmonica. La chose étant, je lis la musique, donc j'ai commencé à lire des partitions et par après, je suis tombé dans les tablatures, beaucoup pour l'enseignement. Oui, c'est vrai qu'il y a une méthode que je vois beaucoup en Europe qui est une ligne et tu mets les notes aspirées en haut et les notes soufflées en dessous, qui est comme un peu l'inverse de mes flèches ou des flèches. Il y a des plus, des moins. Il y a différentes raisons pour ça. Si tu veux faire des tutoriels sur Internet, simplement le plus, le moins vont être très accessibles sans avoir besoin de programme. Ensuite, quand tu as la chance d'avoir une méthode imprimée, la ligne avec les hauts, les bas, je pense qu'il fallait trancher. C'est un usage qui est bien. Moi, si je veux défendre un peu mon approche, je te dirais que l'avantage des flèches vers le haut, c'est que c'est. Puis regarde, je vais te le montrer ici. Ça paraît pas, mais il y a beaucoup de choses dans mon studio. L'avantage, c'est quand tu souffles, c'est les hanches vers le haut qui répondent. Et quand tu inspires, c'est les hanches vers le bas. Ce que je trouve bien pour mes flèches, c'est que quand tu souffles, ça écrit en haut et quand tu
aspire, c'est vers le bas. Si ça te mélange, tu peux les mettre sur une table, tu vas te rendre compte que l'air sort et se dirige vers la flèche, l'air rentre et la flèche se dirige vers toi. Pourquoi je te dirais, c'est juste que chacun essaye de faire le mieux qu'il peut. Et en vrai, le prochain cours, je voulais justement parler des tablatures et des partitions.